curé. De quel lit mon fanjou a donc été tiré? L'âme mercantile des gens, plus âpre qu'une meute autour de la curée, où s'étanche leur soif d'argent. Vainement la nature à nos maux pitoyables dispense inépuisablement les trésors de son sein, ceux de la terre arable, son lait, sa houille et son froment. Ces richesses qu'avec délice elle prépare, que pour nous tous le bon Dieu fit, et quoi, faut-il que quelques-uns les accaparent pour s'engraisser de leur profit? Regardez-les, tandis qu'on voit le prolétaire anémier son feu ni lieu, pour apaiser sa faim, aller gratter la terre, errer la grâce de Dieu. Regardez-les, les écumeurs, la ville en jance, mauvais riches, mauvais bergers, étalant l'impudeur de leur ventre et potence. Regardez-les, ce goberger. C'est pour eux qu'on se bat à nos portes, que nous sommes martyrisés, l'ennemi dans nos murs campe avec ses cohortes, qu'il puisse thésauriser. Le jour luira bientôt, sur son trône assise, la patrie arrachée au vin. Pareil, la justice en d'augustes assises voudra compter avec chacun. Je t'avais confié mon drapeau, dira-t-elle. Pour lui, ton bras a combattu. Viens, entre dans ma joie, ton serviteur fidèle. Reçois le prix de ta vertu. Mais toi qui préféras ta fortune à la mienne, serviteur félon et vénal, si le gibet t'épargne, au moins dans la géhenne, t'attend le supplice infernal.